Caprice Festival. Bienvenue! Fun and Floorgate, votre rendez-vous saisonnier. Culture, musique, tendance et nightlife ont leur place dans ce magazine. Le Caprice Festival, c'est 20 000 visiteurs à 1600 mètres d'altitude. En 6 ans, ce festival a évolué et est devenu incontournable au niveau de la scène valaisanne. Il a réuni cette année artistes internationaux, suisses et régionaux de l'étape. On pense notamment au binôme David Vincent, des VJ intergalactiques qui ont posé leur soucoupe volante à Sierre. Nous avons tenté d'entrer en communication avec eux. Entretien également avec Olivier Ganzer, organisateur du week-end au bord de l'eau, Festival Worldwide. Survol des nouvelles sorties CD de Synerdici, Team Exile et Mulatu Astake and the Heliocentrics. Et enfin, l'agenda culturel des festivals de l'été. Le Caprice Festival a beaucoup évolué depuis sa création en 2004, tant dans sa structure que dans sa programmation. Des icônes comme Robert Plant, Lou Reed ou encore Iggy Pop les années précédentes et cette année une programmation beaucoup plus mainstream. Et si je vous dis Synerdici, Team Exile ou encore Mulatu Astake and the Heliocentrics, ça vous parle? Eh bien voilà le but de notre sélection CD, vous faire découvrir des sorties discrètes mais qui méritent votre attention. Sélection CD. L'anglais Team Show ou Team Exile s'éloigne de la drum and bass et prend le micro, toujours accompagné de ses machines à déstructurer les sons. Premier album à sortir sur Warp, Listening Tree propose une composition groove entre ambiance électronique et mélodie pop, proche des textures synthétiques d'Aphex Twin. La voix est soutenue par de nombreux effets assez semblables à ceux de Depeche Mode. 10 titres oscillant entre la pop scénique et l'expérimental mélodique. Le concept Inspiration Information, c'est réunir des musiciens contemporains avec des maîtres de la musique pour une session d'enregistrement studio de moins d'une semaine. Le troisième volume propose une collaboration entre Mulatu Astake, le jazzman éthiopien, et The Heliocentrics, formation funk jazz britannique. Le résultat de ces quelques jours fous est un jazz spontané, complice et magique, qui explore toutes les facettes du jazz et stimule toutes les inspirations. Crystallized, le quatrième album du trio suisse Synerdici, est aérien, vaporeux, cotonneux. Au travers de rythmiques lentes et pêchues, on assiste à la cristallisation du spectre sonore, une explosion de petites fréquences qui se désagrègent et se réagrègent vertigineusement, oscille et ondule. Une voix modifiée, céleste et légère structure un réseau de sons chauds et atmosphériques. Une musique très visuelle que l'on pourra écouter en juin à la Fête de la Musique à Genève ou au Festival de la Cité à Lausanne. Et si on est ici ce soir, c'est aussi pour vous faire découvrir un phénomène qui se trouve de plus en plus dans les festivals actuellement, le VJing. Le quoi? Le VJing. Découverte. Non, c'est VJ, donc c'est pour vidéo jockey, par analogie comme DJ, disc jockey. En fait, on mixe de l'image. Il s'agit d'improviser en live des boucles d'images rythmées sur le beat des DJ, dont ils varient la colorimétrie et la fréquence en fonction de ce que la musique leur inspire. Leurs images sont de vieux films mythiques, des effets graphiques qu'ils ont réalisés eux-mêmes et leurs propres archives vidéo. Ces projets perpétuellement remixés, réutilisés et modifiés continuent ainsi à évoluer, à vivre au fil des soirées. Où est-ce qu'on peut voir vos performances? Dans quel genre de soirée? Alors typiquement c'est dans des soirées électro, là ben, sur la scène du club Caprice. On fait assez souvent aussi dans les soirées Fun and Floor, je crois que tu connais, au week-end au bord de l'eau, au Sismix, différents festivals, en général sur la musique électronique. Et est-ce que vous pensez que le VJing est un phénomène de mode? Je suis pas sûr que ce soit un phénomène de mode. Ce qu'il y a, c'est que maintenant c'est devenu un peu plus accessible à cause du matériel. C'est moins coûteux en ordinateur, en tout ça. Quand tu vas dans un café et qu'il y a une télé avec un concours d'haltérophilie, les gens en général ils regardent, sont scotchés à l'écran. Donc pourquoi pas rajouter des télés avec quelque chose qui joue avec la musique? Il faut dire que les deux extraterrestres sont complètement dépendants des sets proposés par les DJ sur lesquels ils collaborent et improvisent.
Alors, s'ils tentent de s'affranchir des machines pour aller vers l'analogique et les scratchs, ils sont obligés de continuer à aimer les boutons, les tubes et les câbles pour que leur image produise une ambiance qui colle à la musique. But Jeff Holboards. He was Larry Bertleman, forcing sounds out of the ocean by tickling the inside of a perfect wave's vocal cord. Si vous voulez retrouver nos deux envahisseurs, vous les verrez au week-end au bord de l'eau à Sierre. En parlant de ça, un festival de musique worldwide, ça veut dire quoi? Explication tout de suite avec Olivier Ganzer, vice-président de l'association La Main Verte, organisatrice de l'événement. Alors, le week-end au bord de l'eau, c'est un festival alpin qui se déroule sur une plage au bord d'un lac. Et puis, qui fait la part belle à la musique noire, principalement comme le jazz, le funk, le reggae, et puis la musique électronique aussi avec le broken beat, la soul et la house. La particularité du festival, c'est un festival qui se dit un peu vert, avec tout un système de verre réutilisable qu'on a mis en place, avec des couteaux, des fourchettes, des assiettes, etc. Et puis on a mis en place un système d'éco-point où les gens pourront ramener toutes ces affaires, et puis ça nous évite évidemment d'avoir des montagnes de déchets. L'année passée, sur les deux soirs, on a fait à peu près passer 4000 entrées. La Main Verte marche aussi bien, j'en sais rien, mais elle marche assez bien parce qu'on organise des soirées durant l'année à l'Hacienda. Et puis je pense que durant ces soirées, on propose une programmation assez pointue, puis variée surtout. Et puis je pense aussi que l'endroit où on fait ce festival, c'est vraiment un endroit très beau, très sympa. Et puis on propose des artistes de qualité, avec des styles musicaux qu'on retrouve peut-être pas forcément dans les autres clubs de Suisse romande. Mes coups de cœur pour le festival cette année, ce sera le vendredi Gilles Peterson qui viendra nous proposer un set assez sympa, j'espère. Et puis Sarava Soul, c'est un groupe brésilien qui viendront spécialement. Et puis le samedi, on a notre spécial guest qu'on a trouvé actuellement, c'est Shuraikan, l'anglais de Shuraikan. Et puis l'américain Chuck Love qui viendra nous faire un DJ set assez sympa avec des instruments et une performance à ne pas rater, j'espère. Nous sommes toujours à Crans-Montana. L'émission, tout comme le Caprice Festival, touche à sa fin. L'édition de cette année a été marquée par les prestations de deux filles, Yael Name, DJ Crush ou encore Amon Tobin, des moments inoubliables. Mais tout de suite, découvrons ce que l'été nous réserve et c'est notre séquence Rendez-vous. Le Sismic Festival à Sierre du 10 au 14 juin. La fête des 5 continents à Martigny du 12 au 13 juin. Le Scandia Festival à Crans-Montana du 17 au 18 juillet. Le Gampel Open Air Festival du 13 au 16 août. Et le Bona Fiesta à Bonaches du 21 au 22 août. Et voilà, Caprice, c'est fini, tout comme la première saison de notre émission Fun and Floor Guide. Je tiens particulièrement à remercier Anouk et Lola pour l'accueil d'aujourd'hui, ainsi que l'équipe de tournage, Xavier, Arnaud et Julien. Quant à nous, on se retrouve dès la rentrée avec un tout nouveau format, mais restez connectés sur www.funandfloor.ch. Thank you.